Nous avons réagi à cette situation depuis les années 90 et nous y sommes toujours. Mais avant les années 90, nous avons été à l'ASDF et à la FEAMF et nous avons toujours protesté jusqu'aux cheveux blancs. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une survie espérance pour le Togo, parce que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je dis souvent que nos dirigeants n'ont pas le sens de l'histoire. Parce que si Alexandre le Grand, vous regarderez la carte retournée à la maison, a quitté la Macédoine pour aller jusqu'au Tibet, le pays du Dalai Lama là-bas, et a perdu son empire, si ceux qui estiment faire 100 ans au pouvoir au Togo réussissent, je deviendrai mon bonhomme. Ce continent à la jeunesse de ne pas perdre espoir, même si nous avons lutté contre beaucoup de nous en disant que le Togo ne s'arrête pas à nommer. J'ajoute que ce n'est pas pour cette raison qu'on doit empêcher les gens de faire des réunions à Carac. Toujours des chiffres contrastés et des comportements contrastés. C'est comme ça. Nous ne protestons contre personne particulièrement. Nous voulons vivre heureux et libre dans notre pays. Nous aurions pu, avec nos diplômes, faire carrière ailleurs. Nos camarades de classe sont très contents de nous envoyer des coucous de la diaspora. Mais il y a diaspora et diaspora. Comme il y a opposition et opposition. Donc je voudrais vous remercier au nom de tous mes camarades pour avoir fait le déplacement pour cet anniversaire. Et nous osons espérer que si jamais nous vous demandons de vous associer à nos réflexions, vous répondrez toujours présent. Merci pour votre présence.